Et c'est reparti pour une nouvelle aventure. Mais pas seul, parce qu'aujourd'hui on a également Lolo qui nous sert de pilote. C'est notre Uber et ça va être également un cadreur complémentaire. Mais Paris, pour l'instant, sont avec des animaux, du genre des chevaux ou des vaches. Et c'est parti, attention, transition. Hey, incroyable, n'est-ce pas? On va voir près du... Oh non! Attends! Il y a une flaque, c'est ça? J'ai entendu un flop. J'ai tellement peur maintenant, j'ai plus confiance du tout. Elle est où ton épaule? Putain, mais dis-toi! Non, mais on va dans une secte en fait, c'est ça? Je veux bien que tu me préviennes s'il y a la moindre petite marche. Quoi? Ça va, Antoine? Oui? Bah là, clairement, j'ai l'impression d'être sur un bateau. T'es encore là, Marion? Putain, Marion! S'il vous plaît! Tu vas venir avec moi sur voilà. Waouh, c'est quoi cette... Donc là, tout le monde s'en va, c'est ça? Oh non, il s'en va le bateau. Salut, à bientôt! Ah, sérieux? Mais c'est quoi? Bonjour! Bonjour! Eh bien, bienvenue à bord! Mais merci, capitaine! Bertrand, alors il n'y a pas de capitaine sur la Loire. On est tous égaux devant la Grande Dame. Il n'y a jamais eu de grade dans la marine de Loire. Et donc les mariniers de Loire, quand même, ils disaient gueux sur terre, mais seigneur sur l'eau. Donc on est seigneur quand même. Seigneur sur l'eau. Bah ouais, parce que naviguer sur la Loire, maintenant on sait que c'est la Loire, c'est pas si facile. D'ailleurs, on va voir si t'es seigneur. Wow, Marion, t'es belle! C'est quoi la Loire? Une rivière. Ah, bah alors là, il est top de chez top. Depuis la nuit des temps, tous les hommes se rassemblent et recherchent la rivière pour pouvoir boire. Ça a déconné à partir du moment où on a fait arriver les rivières au bout du robinet. Et ça, aujourd'hui, on s'en sert de plus en plus de quoi? De déchetterie. Exactement. C'est ça? Ouais. T'es prêt? Allez. Alors, elle commence où? Oh, non. Ici, a priori. Mont-Gerbier de Jonc, très bien. Altitude? 1550 mètres. Bien! Purée! Il a la Loire en lui! Exactement! On a un bateau, on a deux équipiers, on a deux écluses, on est en train de passer de l'une à l'autre. Merci, ça Antoine. Va toucher! Oh putain! Alors Antoine! Est-ce que ça c'est bien? Ouais, bah alors va falloir faire rapide. Alors on y va, regarde ça, c'est fait en ferraille. Je suis méga chaud là. Profond. Ouais, t'es méga chaud, tu fais rien. Et on pousse, on évite l'arbre. Vu? T'as rien fait du tout en fait. Alors ça c'était moi. Alors attends, ça c'est le début. Comment ça s'appelle ça? Un bâton pointu. Ouais, ça s'appelle une bourde sur la Loire. À toi de jouer, Antoine. Alors, on vous a pas dit, il est pas très doué tout le temps. Hein. Si. Et oh, la gourde. Il a été tu veux toucher loin. La gourde? Ouais, loin. Voilà, et vas-y. Ah, connerie. Voilà, remonte. Qu'est-ce nickel. Qu'il fait? Allez, vas-y. Sans casser la bourdasse. Hein. Voilà. Allez. Bien. Ouais. Ah, là, il y a plus de fond, là. Bien. Mais c'est pas comme en Italie, ça, on est... Bah, ils ont copié sur nous, hein. Non, je rigole. Faut pas oublier qu'il y a 4000 bateaux qui passent, là. Faut qu'on aille livrer à Paris, il y a le grain qui pourrit. Mais comment j'accélère? Bah là, on est en galère. Bon, on triche un peu, on se rapproche. Bah, déjà, j'aimerais bien que Marion montre un petit peu les forces qu'elle a et à quel point elle est plus douée. Ah, eh bah Marion, on y va, hein. J'ai déjà fait la bière. Voilà, alors va chercher loin. T'as fait tomber? Oui. Comme ça? Allez, envoie. Allez, et appuie. Voilà. Bien. Ah, elle est coincée. Bien. Ah bah, il y a des pierres aussi, il n'y a pas que du sable. Alors, on fait moins la maline, non? Je vais laisser Antoine faire. Alors, je suis pas forcément d'accord. Les marinières... C'était hyper important sur la Loire. Quand le marinier se noyait en Loire ou était perdu, bien souvent, c'est les femmes qui reprenaient le rôle de patronne marinière. Le pont est assez haut, a priori, on passe en dessous. Ah bah ça, va falloir calculer aussi. Alors, comment ça marche le moteur? Alors. Là, on a les gaz, poignée de gaz, comme une moto, hein, en souplesse. Tourne la clé. Voilà. Envoie un petit peu de gaz. Bah comment? Avec la poignée. Avec la poignée, tu ah la oui, tournes. Ah oui, j'ai zappé déjà. Faut regarder devant, soupe sur les genoux. Regarde devant, c'est devant. Donc tu te retournes, tu regardes toujours devant. Ouais. Non, regarde devant. Regarde devant. Et ça se conduit à main gauche. Voilà. Ah, mais je peux pas regarder. Là. Ah mais oui, bah voilà. Là, bah on est finalement. Alors. Et
Alors, on est bien ou pas? Voilà, j'ai l'impression. Alors, hein. Est-ce qu'on passe sous le pont? Bah, moi, je pars du principe que oui. Bah oui, mais la Loire, elle varie tous les jours. Elle monte, elle descend. On fait demi-tour. Dépêche-toi, il y a un obstacle, on sait pas si ça passe. Ici, hein. Demi-tour, ouais. Avec ta main gauche. Elle marche pas, ta main gauche? Et ça, stop, top, top. Doucement. On va se prendre le bord. Marche arrière. Et tu inverses ton moteur. Voilà. Et donc là, tu vas compenser avec le moteur et le courant pour vérifier si on passe. C'est maintenant qu'on prie. Et on prie qui quand on est sur la Loire? C'est qui le patron des mariniers? C'est Poséidon. C'est Saint-Nicolas. Ah pardon, oui. Donc attention là, ça touche ou ça touche pas? Trop fort, trop ça fort. Ça touche pas. Et maintenant, il va falloir qu'on rentre dans l'écluse. Je te demande de te poser le nez juste à l'intérieur de l'écluse. Ah oui, donc je le fais vraiment. Ah bah oui, tu fais vraiment. Tu y tiens vraiment beaucoup à ce bateau? J'ai pas peur. Non, je te sens bien. C'est juste une histoire de feeling. Tu vois, regarde, je peux même aller à l'autre bout, je suis confiant. Oui, non, reste par ici. Reviens, non. Et tu vas te servir du courant comme un frein. Ah, c'est ce que j'essaie de faire. Voilà, mais... eh ben vas-y, repousse un peu, vas-y, envoie. Mais il va se cogner. Il va pas se cogner. Non, vas-y. Je vais me cogner, chef. Non. Stop. Réduis les gaz. Réduis. Mais je suis à réduis, là. Point mort. Marche arrière. Un petit coup. Waouh. Encore. Waouh. Voilà, dans l'autre sens. Bon, attention. Ouais, on est pas mal. Posé. Vous êtes arrivé. Alors, tu te sens comment? J'ai tellement le cœur qui bat fort. Je voulais pas péter le bateau. Je crois qu'il est HS, il en peut plus. Hé, Marion, arrête de filmer mon boule. Arrête, c'est gênant. Bon, hé. C'est du vent, là. Hein. Ouais, ça vient de là. Ouais. Ça nous intéresse pour remonter là-haut. Ça tombe bien. Bon, on voit que ça gonfle un peu, ça nous intéresse. Le problème, c'est que si on part comme ça, on n'y voit rien. Oui. Donc là, il va falloir qu'on prenne la guirde. Et quand on tire dessus, ça va nous faire une fenêtre. Et ça s'appelle comment sur les bateaux de Loire? Le foc, non? La queue? De l'autre côté. Le cul? Là. L'arrêt? Et on en a deux. Les fesses? Voilà, ça s'appelle la fesse. Regarde, et c'est du poste de pilotage qu'on va voir la route. Et on n'a qu'une chose à dire quand on arrive à quai. C'est le nom de mon assos. C'est merci la Loire. Merci la Loire. C'était Antoine aujourd'hui sur la Sterne. Oh yeah, oh alors yeah. Il a passé toutes les épreuves. On peut dire qu'il est seigneur sur l'eau. Allez. Et là, avec grand respect, je vais te remettre. C'est un pins, c'est un petit bateau de Loire, inspiré des modes vikings, et ça se mérite. Merci beaucoup. Ouais, on se touche pas le cul. Mais... Merci beaucoup. Bravo, t'as été au top. Bon, maintenant que tu fais partie du club. Ouais. Donc maintenant, il va falloir se nourrir. Ah bah, avec plaisir. On va aller se nourrir dans la nature. Viens avec moi. En haut du château, il y a une princesse qui est là. Il y a une sirène. Bonjour. Il va falloir que tu ailles nous trouver à manger avec Nathalie. Nathalie, je te confie Antoine et Marion. Ah, je suis Nathalie et j'ai prévu de t'emmener dans mon potager magique. On a le plantain qui se mange. Voilà, on va faire notre petite cueillette. Ça, on en a un peu partout, au bord des chemins, dans les jardins. Donc ça, c'est comestible. Et entre l'herbe et la salade, c'est pas mauvais. C'est meilleur que ce que je pensais. Je m'attendais à manger de l'herbe, hein, en vrai. Mais en fait, non, c'est pas mauvais. Oh, j'ai l'impression de marcher sur des repas. Pardon, hein, si j'écrase un truc bon. Ah, ça, je connais ça. Bon, maintenant, il faut se rouler là-dedans. Non, merci. Non, j'ai déjà fait, c'est pas agréable. Bon, ben, on va juste prendre deux, trois... À main nue ? Deux, trois pointes. Oui, mais quand tu vas dans le même sens que les poils, ça te pique pas. Ah ! Là, ça je me suis pas piqué, là. Ah. C'est étonnant, parce que du coup, c'est des goûts qu'on n'a jamais goûté avant. Bah, c'est ça, ouais. On connaît pas. La lierre, l'amier pourpre, la berce... Et eh ben ça y est, le panier est plein, donc on va pouvoir passer à la préparation. C'est ça. Et eh ben transition magique. Et eh ben nous voilà dans la cuisine. On va vous jouer là. Pardon, excuse-nous, on aurait dû prévenir. On va cuisiner maintenant. Ah, on va faire un mojito sauvage. Trop bien. Et là j'utilise du lierre terrestre. Donc ça c'est super
aromatique, c'est la même famille que la menthe. Et il y a toujours un moment où je cuisine en fait. Et puis on va ajouter du jus de pomme, on rajoutera de l'eau pétillante à la fin. Et maintenant on va faire une beurrée aux herbes sauvages. Une beurrée? Et donc on va prendre nos plantes là. Qu'est-ce qu'on prend? Et on va les hacher. Santé! À la Loire! Et aux plantes. Et aux plantes aussi. Notre potager magique. C'est trop bon. C'est trop bon. C'est un goût de vacances. C'est un goût de liberté. Et puis c'est un goût de fait soi-même naturel, quoi. Donc c'est, ça change tout. Ouais, il y a plein d'arômes qui viennent au fur et à mesure, là. Et ben voilà, cette incroyable journée est terminée. Merci beaucoup la Loire, enfin merci la Loire.com d'ailleurs. Merci beaucoup Bertrand et Nathalie pour cette journée incroyable. Si vous voulez vous aussi apprendre à manger de ce que vous trouvez dans la rue, enfin pas dans la rue mais plutôt dans la nature, c'est plantes sauvages comestibles.com, c'est ça. Et nous, bah, je pense qu'on a assez travaillé et puis maintenant, et ben merci. C'est l'heure de passer à table. Merci à vous, passez bonne journée et bisous sur vous.